Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau live sur l'Alliance Céleste, un lien impromptu parce qu'il était programmé pour autre chose, mais on s'arrange toujours. Voilà, aujourd'hui, nous recevons la visite de Jérôme Boujon, qui est un spécialiste on peut dire, des technologies lumière avec son entreprise Crystal Light. Il a déjà intervenu dans d'autres émissions au niveau de l'Alliance humaine. Et aujourd'hui, ben, il va nous parler encore un petit peu de ce Crystal Light, mais aussi de la conscience collective de l'humanité. On va l'amener sur le studio. Voilà, bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour Jean-Michel. Et franchement, waouh, il est magnifique ton générique. Votre générique, il est super. Waouh, C'est hey, je Annick m'y qui l'a fait, reconnais complètement. c'est Annick, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Annick, la personne qui s'occupe de l'Alliance Céleste France. Qui s'y connaît un peu à vidéo, donc on le fait les montages. Pour l'instant, jusqu'à qu'on ait un expert qui nous les fasse à la place. Mais pour l'instant, justement, on dit, on cherche quelqu'un qui pourrait faire des vidéos comme ça, des petites vidéos de présentation, d'animation, 3D, tout ça. Donc, si jamais vous avez un peu de temps, mais vous pouvez contacter l'Alliance Céleste France. Je vous donnerai tout à l'heure en fin d'émission l'email. Voilà. Ouais, pareil, moi aussi, je cherche des personnes comme ça. Je trouve que c'est trop joli. Voilà. C'est lancé. En plus, vibrer la paix, vibrer la joie, l'unité, soyons ensemble, c'est exactement tout ce pourquoi j'œuvre. Bon, mais alors, c'est ça. Ouais, déjà, c'est waouh, rien que de regarder ce générique, ça monte le niveau d'énergie. C'est super. Merci de m'accueillir, Jean-Michel. Avec plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la Terre Diamant et aussi de la conscience collective de notre humanité. Ça fait quelque temps, quoi, ça fait un grand nombre d'années que je travaille sur la conscience collective de l'humanité, que je cherche à la comprendre et depuis quelque temps, je réfléchis sur la création d'une conférence entre qui explique la conscience individuelle et la conscience de l'humanité. Donc, je pense qu'on va d'abord parler de ça et ensuite, on verra comment on peut interagir plus fortement sur la conscience collective de l'humanité. Tout d'abord, on va dire qu'un être humain a différents niveaux de conscience. Il y a le subconscient, qui lui, quasiment, il n'est pas accessible. C'est les choses qui sont enterrées au fond du fond du fond. Il y a l'inconscient auquel on peut avoir accès, par exemple, au travers des rêves ou au travers certaines sophrologies ou hypnoses. En général, quand il y a des traumas, ça, on peut aller accéder dans l'inconscient pour aller modifier les vécus, l'interprétation de l'expérience qu'il y a eu, qui donne les traumas, de façon à faire que notre présent soit plus confortable et que l'on raisonne, que l'on s'attire moins de situations délicates. Ensuite, il y a le semi-conscient. Le semi-conscient, c'est entre l'inconscient et un état conscient, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, c'est un peu l'état de robot où je me lève, je sais gérer mes affaires, je mange, je déjeune, je vais prendre le métro ou le train, enfin moi ça m'arrive pas, mais je travaille à la maison. Oui. Le Du métro. télétravail, quoi. C'est du télétravail, quoi. Ouais. Enfin là, en ce moment, je veux dire, mes mains, c'est pas des mains d'aristocrate hein, ou de bureaucrate. Mais je ne suis pas réellement conscient. Et il y a l'état d'être conscient. L'état d'être conscient, c'est déjà un état beaucoup plus éveillé, on va dire, parce que je suis conscient de ce que je vis, de mes choix. Et de mes interactions et de la conséquence de mes choix. Parce que, je ne veux pas citer par rapport au Covid, mais certaines personnes ont fait le choix de recevoir des injections pour pouvoir être au restaurant ou être conforme à l'autorité paternelle de l'État.
malgré qu'on ne sait pas trop ce qu'ils nous ont mis là-dedans, ou on sait plutôt que ce n'est pas tout à fait clair ce qu'ils nous ont mis là-dedans, pour ne pas dénigrer quoi que ce soit. Hein? Mais vous voyez ce que je ne dis pas. Donc là, les gens qui ont fait ça, ce n'était pas vraiment un état conscient, c'était plutôt un état semi-conscient. J'écoute ce qu'on me dit de faire, mais je ne suis pas conscient vraiment du choix que je fais et des conséquences. Et il y a l'état d'être conscient où là, pour moi, être conscient, c'est je me lève, je prends mon petit-déj et je fais ma pratique. Ma pratique qui fait que je m'aligne avec le soi, avec la présence, avec votre divin, avec votre double supérieur. Vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, on peut lui donner un certain nombre de mots et d'appellations, mais ça revient à notre aspect supérieur. Et puis, notamment, on en entend parler beaucoup à Auroville, il y a le supraconscient, ou Shri Tathata aussi en a parlé, puisque le Matrimandir, le grand bâtiment central d'Auroville, et un bâtiment qui accueille la supraconscience sur la Terre, qui est un lieu absolument fabuleux, vraiment fabuleux. J'y suis allé, enfin, à chaque fois que je vais en Inde, je vais là-bas. Je passe là-bas au moins. Et voilà, donc, on a différents niveaux de conscience. Subconscient, inconscient, semi-conscient, conscient, supraconscience. Et on a encore un autre niveau qui est plus des niveaux de l'ordre du divin non individualisé. D'accord ? Ça, c'est au niveau de l'individu. Et pour aller sur un niveau de plus en plus éthéré et global. Alors, quand on parle de conscience collective, où est-ce que ça se situe ? Vous avez entendu, je pense tous, vous avez entendu parler ou vous avez entendu le mot égrégore. L'égrégore, c'est un rassemblement de pensées qui crée une sorte de force parce qu'une des particularités de l'être humain, en fait, c'est un être social et il a besoin d'une identification à un groupe. Et donc, quand vous êtes dans un groupe, c'est très difficile de faire un chemin différent du chemin du groupe parce que il y a la force du groupe et puis il y a le besoin d'appartenance au groupe, d'identification, il y a le besoin comportemental, l'aspect comportemental où on agit par mimétisme des autres. Donc, pour tracer sa voie, pour ouvrir une nouvelle voie, c'est toujours vraiment quelque chose de très délicat. Je me rappelle en 2005, j'en reparlerai un peu plus tard, mais en 2005, j'ai écrit une publication pour l'Académie des sciences que j'ai mis très longtemps à déposer. Maintenant, elle est à l'Académie des sciences sur les erreurs des représentations des solides de Platon et amener des repères de géométrie spatiale très développés, beaucoup plus qu'à trois axes. Mais je savais mes choses par cœur parce que j'ai dû l'écrire plutôt en 2008 et j'avais fait déjà plusieurs tournées de conférences, dont une dont tu avais assisté, et c'est celle que j'ai refaite en 2020 ou 2019 à Rennes-les-Bains où on était ensemble. Et j'ai pu écrire cette publication que de 4 à 6 heures du matin. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'Europe, en fait, de 4 à 6 heures du matin, la plupart des gens dorment et le champ de la conscience de l'égrégore global, il est beaucoup plus au repos. Donc, du coup, c'est plus facile de se frayer une nouvelle voie à cette heure-là que quand tout le monde est en activité style, on va dire, 10 heures, 18 heures. Alors, ces histoires d'égrégore et de conscience, d'amas de conscience, d'amas de pensée globale, c'est vraiment une force importante. Et aujourd'hui, toujours pour être un peu soft, j'ai l'impression que nous avons vécu 2 ans là, de pandémie
où la plupart du monde a été mis sous hypnose, une grande hypnose collective. On vous dit de faire ça, on vous dit que ça, c'est ça, et que ça, c'est pas ça, etc. etc. Mais c'est bien parce que beaucoup de monde se réveille et je vois où je suis. Donc aujourd'hui, je suis en Bretagne, à côté de Brocéliande. Et je vois que même des personnes qui ont reçu la première injection du vaccin ont refusé les autres injections parce que elles ont eu des effets secondaires pas confortables du tout. Et du coup, ils se sortent de cette conscience collective de suivre l'autorité de l'État, l'autorité paternelle, parce que c'est pas facile de casser ce lien pour frayer sa voie et s'éveiller. Donc là, on est sur différents niveaux. Vous voyez, il y a la conscience individuelle, et puis avec les égrégores, on aborde un domaine de la conscience collective et il y a la conscience collective globale planétaire. Il y a la conscience collective d'un groupe, la conscience collective d'une ville, d'une nation, d'un pays, d'un continent et de la planète. Et on pourrait même aller plus loin puisqu'il y a des consciences collectives de notre système solaire, voire de l'alliance céleste et même au-delà de ça, une conscience collective plus divine qui fait partie du domaine du non-formé, au-delà de la forme. Voilà, il y a ces différents niveaux et je suppose que vous avez tous entendu parler des cent singes, de l'expérience des cent singes. Au cas où vous n'ayez pas entendu parler, je vais la résumer. Je crois que c'est en 1952 à 1954, dans un archipel pas loin du Japon, où des scientifiques japonais ont fait des expériences sur des singes. Des macaques exactement. Ils étaient avec des bateaux et ils allaient déposer des pommes de terre sur la plage pour les macaques. Et ces macaques allaient récolter les pommes de terre et ils les mangeaient. Voilà, ça se passait comme ça sur toutes les îles, toute la peuplade de macaques mangeait leurs pommes de terre remplies de sable. Et un jour, il y a une femelle macaque qui a eu l'idée de laver sa pomme de terre avant de la manger. Ce qui fait que ça crisse moins sous la dent et c'est beaucoup plus confortable et certainement plus goûteux. Et au bout de 2-3 semaines, il y a eu de plus en plus de cette population de macaques qui s'est mise à nettoyer ses pommes de terre sur cette île-là. Et arrivé à un moment où il y a eu plus de 40% de la population de macaques sur cette île qui a lavé ses pommes de terre par mimétisme, justement, sur toutes les autres îles qui faisaient partie de l'expérience, alors qu'ils n'ont pas eu de point de rencontre et d'échange d'informations, ni de rencontre par mimétisme, les autres singes se sont mis à laver les pommes de terre et à les manger sans le sable. C'est une histoire qui est quand même très, très intéressante parce que au-delà de l'apprentissage par mimétisme, il peut y avoir, à partir du moment où il y a une masse critique, qui est appelée la masse critique, mais qui est un certain nombre d'individus d'une population qui intègre un comportement, tous les autres membres de cette population va pouvoir avoir accès à cette habitude, à ce comportement, sans avoir à en faire l'apprentissage, comme d'une sorte de manière innée. Et là, si on reprend les données de Rupert Sheldrake, on voit Rupert Sheldrake, pardon, est un scientifique américain ou scottish, non, américain, me semble, qui a sorti les champs morphogénétiques.
C'est-à-dire que chaque conscience collective a une sorte de structure globale qui relie tous les êtres. Et chaque individu fait partie de la conscience collective de cette structure. Et cette structure, en même temps, donne l'information de la forme à chaque individu. Nous faisons partie de l'humanité, donc nous avons une forme humanoïde, et ça, c'est en quelque sorte programmé à la fois dans notre ADN, mais c'est aussi dans le champ de la conscience collective globale. J'en reviens à nos sens singes. Nos sens singes ont eu une méthode d'apprentissage, d'abord par mimétisme, et ensuite de transmission au-delà du champ de la conscience consciente, mais voilà, quelque chose qui est beaucoup plus répandu, qui est le champ de la conscience collective. Cette expérience nous enseigne que nous, en termes d'individus individuels faisant une expérience humaine, un tant soit peu que nous soyons conscients, nous pouvons faire le choix de qu'est-ce que nous voulons servir, œuvrer et nourrir en quelque sorte. Et plus nous sommes nombreux à faire le même choix, arrivé à un certain moment, tous ceux qui n'ont pas cette démarche vont pouvoir avoir accès à ce type de comportement parce qu'on va dépasser la masse critique et parce qu'ils vont avoir accès à cette information-là. Alors, le chemin individuel, plus on se rassemble, plus on fait des groupes. Merci Jean-Michel pour tout le travail que tu fais. Je dirais pour tout le service que tu offres. Parce que ça permet à un grand nombre de personnes. Ouais, ben oui, vraiment, merci. Ça permet à un grand nombre de personnes d'avoir accès à une multitude d'informations, de se rassembler et en plus, avec le travail que tu fais, Jean-Michel, d'accueillir les informations des célestes, des stellaires et d'ancrer dans notre conscience collective d'humanité une ouverture, une conscience beaucoup plus élevée et évoluée que ce à quoi nous avons accès ici sur la Terre. Alors, individuellement, ça veut dire que nous pouvons agir sur la conscience collective. Mais ça veut dire aussi que la conscience collective peut agir sur nous individuellement. Par exemple, ça a été mis en évidence par l'expérience à l'université de Princeton, et c'est appelé aussi l'expérience Princeton. Je ne me rappelle plus du nom du scientifique ni de l'année, mais cette expérience, elle est assez simple. Ils ont mis des générateurs de numéros quantiques binaires partout sur la Terre, des 0 et des 1. Donc, ces générateurs produisent 0 ou 1 à chaque seconde ou chaque bit. Régulièrement, ils produisent des 0 et des 1. En théorie, vu que ce sont des générateurs aléatoires, ils produisent autant en quantité de 0 que de 1. Sauf qu'on s'est aperçu que lorsqu'il y a une vague de peur ou une vague de joie, il va y avoir ou plus de 0 ou plus de 1 qui vont être générés. C'est-à-dire que, par exemple, pour le 11 septembre, il y a eu beaucoup plus de 0 que de 1 qui a été généré par ces générateurs-là. Et donc, l'aspect émotionnel de l'humain et de la masse globale de la conscience collective a une influence sur l'environnement. Et notamment, par exemple, au 11 septembre 2001, c'est 2001, il me semble, il y a eu à la suite de cet événement, il y a eu d'énormes éruptions solaires. Et à ma connaissance, il y a certains groupes de méditation très nombreux qui se sont mis en action pour pouvoir calmer le soleil, on va dire, mais reposer la paix à l'intérieur de la conscience collective de notre humanité, qui est reliée aussi à la conscience collective de notre système planétaire et du système stellaire.
J'aimerais. Je fais une petite parenthèse par rapport au stellaire, à l'alliance céleste, où un jour on animait un cercle stellaire. Un cercle stellaire, c'est où on se retrouve ensemble, on pose un cadre sécurisé, spirituel, de façon à ce que tout le monde soit en paix. On ouvre une méditation très particulière de connexion à l'unité, à la fusion de la présence divine, et on laisse nos véhicules d'incarnation disponibles au stellaire. Parce que nous sommes des êtres stellaires qui venons faire une expérience humaine. Sauf que quand on rentre dans cette densité de matière très dense, on en oublie nos bagages et notre background et nos compétences et nos aptitudes stellaires. Et du coup, on manifeste les fréquences stellaires que l'on est venu amener à quelques pourcents. Comme notre cerveau fonctionne à 10% de ses capacités. Donc, lors de ces cercles stellaires, on ouvre et ça demande un état de confiance, de sécurité intérieure, donc, et d'abandon pour laisser notre véhicule d'incarnation à notre filiation stellaire pour qu'elle puisse manifester ce dont nous sommes venus manifester sur la Terre, mais d'une manière beaucoup plus puissante. Et lors d'un des premiers cercles stellaires que j'ai animé, il y a eu le message qui est passé, la paix de l'univers passe par la paix dans le cœur des hommes. Je répète, la paix de l'univers passe par la paix dans le cœur des hommes. C'est-à-dire que l'univers est vraiment relié à la paix dans le cœur des hommes. Et l'univers et toutes les populations de l'univers sont reliées à la paix dans le cœur des hommes. Et de ce fait-là, le fait que nous soyons une humanité, une avec un grand U, c'est vraiment très, très important d'avoir cette conscience et que tout le chemin intérieur de paix que nous pouvons faire influence notre paix. Notre sœur, nos enfants, nos filiations, nos parents, nos ancêtres, tout notre environnement, tous les règnes, et bien au-delà, le soleil, la lune, et certainement bien plus encore. Et je pense, Jean-Michel, que les êtres avec qui tu œuvres, valide ces informations-là. On ne t'entend pas, là? On ne t'entend pas? Et pardon, ça s'appelle Jean-Michel de ça. C'est que j'ai oublié de mettre le micro, comme un toit, non? Donc, oui, et c'est tout à fait, ils sont tout prêts. Les êtres célestes, ils sont prêts, c'est les humains qui ne sont pas prêts, comme tu l'expliques, avec ce tas de choses qui sont dans la tête, là, qui est des gros bruits, qu'on appelle des gros bruits. Donc, comme on dit souvent, les êtres célestes, ils murmurent, ils parlent lentement, doucement. Donc, quand il y a du gros bruit, tu as du bruit dans la tête, tu n'entends pas. Donc, il faut diminuer le bruit, toi, pour entendre la petite voix qui te parle. Donc, tant que tu as du gros bruit dans la tête, ben, ça ne marche pas. C'est pour ça que quand on fait un cercle stellaire, en fait, on fait une grosse méditation, un gros mantra ça remet tout le monde à zéro. Et en fait, on crée un espace libre à l'intérieur de nous, ce qui permet à notre filiation, et on pose l'intention de laisser la place à notre filiation pour s'exprimer. Du coup, il y en a certains qui reçoivent même leur nom céleste, leur aptitude, leur filiation. Personnellement, je viens de Métariade, dans la constellation d'Orion, et j'ai reçu mon nom céleste que je vais garder pour moi. mes fonctions et etc. Donc c'est l'espace du silence et l'espace de la paix, c'est vraiment une fondation pour le bonheur durable. Voilà. Donc notre capacité à
influer sur la conscience collective réside vraiment dans notre capacité à incarner le soi, à incarner notre présence divine. Et la conscience collective nous influence aussi. Alors, il y a différents niveaux de conscience collective. Il y a le niveau des lobotomisés, hypnotisés. Oui, je vais à l'abattoir, mais oui, je ne veux pas, mais j'y vais quand même. Ce n'est pas facile, ça cause beaucoup de conflits à l'intérieur. Pardon, je suis un petit peu brute de décoffrage, mais arrive un moment, je ne veux pas dire, mais il va falloir y aller, quoi. Donc, il y a différents niveaux. On parle de ce niveau-là, mais il y a un niveau de conscience, il y a le niveau de la supraconscience et des niveaux de conscience divine et de conscience stellaire et de conscience divine. Donc, ce qui va venir m'amener à vous parler de la Terre diamant. D'accord? Parce que vous savez qu'il est très facile de se connecter à quelque chose quand vous savez que ça existe et comment c'est cette chose-là. D'accord. Donc, normalement, je dois pouvoir faire un partage d'écran. Hop là. Maman, oui, vas-y, tu peux, vas-y. Alors, je vais essayer. Diapositive nouveau, non. Sur votre ordinateur, oui. Oui, charger un fichier. Oh, carrément. Dis donc, c'est bien, je découvre un peu. Hein. Ah oui, c'est bien. On n'a pas tous les jours, hein. Ouais, voilà, ok, je pense que c'est celui-là. Vous avez choisi de plus. La taille est limitée à 50. Ok, donc je vais juste faire un partage d'écran. Partage d'écran. En bas, dans la barre. Voilà. Sélectionnez la fenêtre. Je mets écran entier. Autorisé. Voilà. Je vais te donner l'accès, voilà. Voilà, donc voilà. Ça apparaît là. Hop. Voilà. Ok. Par contre, je ne me vois pas. Attends, je vais voir. Ah oui, voilà. Donc, je me vois et... Excusez-moi, messieurs, dames, je cherche la bonne manière de vous partager mon écran. Et, une fois que tu es ici, Jean-Michel, tu fais comment? Je vais arrêter et je vais retenter un partage d'écran en partageant juste l'application qui va bien. Partager l'écran est plus facile avec deux écrans. Partager l'écran fonctionne mieux sur un bon ordinateur. Utiliser les écrans. C'était bon tout à l'heure, hein, on voyait le diapo. Hein. Ah oui? Ouais. D'accord. Ouais. C'était bon, refais la même chose, c'est bon. Ok. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, normalement, tu vas le voir. C'est bon, parfait. C'est juste que j'aimerais bien que je me voie moi aussi. Ah, voilà, super. On devient bon, hein. Ok, donc ça veut dire que je vais passer. Je vous laisse quand même regarder parce que je vous fais un petit. Pour Pâques, on a animé un feu sacré. De 5 jours et 4 nuits, et vous voyez le cœur de ce feu qui est vraiment un feu de flamme violette. Et c'est autour, en 2004, autour d'un feu sacré de ce type-là, autour duquel j'ai eu une expérience mystique et qui m'a fait me connecter à la structure de la conscience collective de notre humanité sur les plans de lumière. Et qui a donné l'invention dont je vais vous parler. Voilà, ici, ça, c'est un autre feu lors de la fin d'une cérémonie.
Et vous voyez cette aura de feu violet puissant et regardez l'incandescence de lumière qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment des événements fabuleux. Donc, vous voyez serviteurdelumière.com, c'est un de mes sites internet en bas. Et vous pouvez aller dessus ce site internet. Il y a encore les pages des précédents feux en photo. Et au début, les gens, ils arrivent comme tout le monde, un peu. En général, ce sont tous des personnes qui ont fait du chemin. Et ils repartent, tout le monde. Waouh! C'est juste énorme la transformation que l'on peut vivre. Parce que quand on veille un feu comme cela pendant 5 jours et 4 nuits, je peux vous assurer qu'il y a des choses qui se passent. Mais ce n'était pas pour ça que je voulais vous parler. Voilà. OK. Lors de cette expérience en 2004, j'ai eu la chance d'être foudroyé par la grille de conscience christique. C'est-à-dire qu'à un moment... ne me demandez pas pourquoi ni comment, mais en gros, j'ai mis la main gauche énergétiquement dans le feu et j'ai projeté l'énergie du feu sur la structure de conscience christique, sur cette grille diamant, la grille cristalline, la grille d'unité, la grille de cinquième dimension. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, quel que soit le nom, c'est la structure qui contient les codes de sainteté de notre humanité. Et j'en ai été foudroyé, j'ai perdu connaissance. Pendant 36 heures, je suis resté dans des états de lumière semi-conscient jusqu'à ce qu'il y ait un rituel après lequel je suis revenu à la conscience et de ce fait, j'ai repris connaissance, je suis revenu avec vous, on va dire. Mais lors de ces 36 heures, toute cette structure était à l'intérieur de moi-même, où j'étais à l'intérieur de cette chose-là. Et il y a eu une impression de son système d'information, parce que chaque forme informe. Une forme informe. C'est-à-dire, à l'intérieur d'une forme, il y a une information. Et cette information est diffusée par la radiance de cette forme. Ici, nous avons donc la structure de conscience de notre humanité sur les plans de lumière, sur les plans de la sainteté. La particularité de cette structure, c'est qu'elle contient 915 fois le nombre d'or. Pour vous donner un comparatif, la pyramide de Khéops ne contient que 10 à 15 fois le nombre d'or. C'est juste, je n'ai pas envie de dire trop, mais c'est quand même juste une pichenette quelque part là. La pyramide de Khéops, parce que c'est une structure absolument fantastique. Et nous-mêmes, nous pensons en système de 3D, mais en fait, nous vivons dans un univers multidimensionnel. Et cet univers multidimensionnel, ici, il est complet. Si vous voulez... On pourrait dire que l'alpha de la géométrie sacrée est la fleur de vie et l'oméga, l'alpha c'est le commencement et la fleur de vie et l'oméga est la forme la plus développée de la géométrie sacrée, c'est la grille diamant, la grille christique que vous voyez là devant vous. C'est juste fantastique. Alors, cette structure est quelque chose d'absolument fabuleux parce que c'est le champ de la conscience globale sur les plans de la lumière. Et comme je vous le disais juste avant, lorsque vous avez conscience que quelque chose existe, ça devient beaucoup plus facile de vous y relier. Parce que vous savez, imaginez que vous avez rencontré votre femme ou votre partenaire et vous avez même eu des moments d'intimité avec lui ou elle et du coup il y a eu des connexions qui se sont établies, qui se sont créées entre vous et de ce fait de ces connexions, même si vous êtes à 5000 km ou 10 000 km, ben vous pouvez ressentir ce qu'il vit ou ce qu'elle vit
Parce que vous savez qui il est. Et en plus, vous savez certainement où il est, où elle est. Ici, on a le champ de la conscience globale planétaire sur les plans de lumière qui a été mis en place par la hiérarchie de lumière, les stellaires, les célestes de 1962. Tout le processus a été de 1962 à 2012, en fait. La transition de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et pour arriver à d'autres, maintenant à un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé en fait. Donc plus on est nombreux à prendre conscience de cette structure, plus on se relie au champ de conscience le plus élevé que l'humanité peut toucher, peut atteindre lors de son incarnation. Et plus nous sommes nombreux à en prendre conscience, à diffuser l'éther diamant, en recevoir à l'intérieur de nos maisons ou sur nous, ou par exemple, il y a les babies aussi. Plus on est nombreux, plus on ancre cette structure de conscience à l'intérieur de nous et à l'intérieur de notre société et de notre humanité. J'aimerais ressortir du diaporama pour revenir vous voir. Voilà. Et donc, je fais arrêter le partage, c'est ça ? Arrêter l'écran. Ouais. Ouais. Merci. C'est un immense plaisir de pouvoir partager ces découvertes parce que quand même, cette Terre Diamant, cette invention, c'est ma cinquième invention. A reçu 4 médailles à l'exposition internationale des inventions de Genève en 2019, dont la médaille d'argent du jury, et qu'il a reconnu comme un activateur de paix pour l'évolution de la conscience humaine. Donc, le jury de l'exposition internationale de Genève a reconnu la Terre Diamant comme un activateur de paix pour l'évolution de la conscience humaine. Alors, j'en reviens à la conscience individuelle et à la conscience collective. Nous, en termes d'individus qui avons fait peut-être, on a la chance d'avoir fait peut-être un peu plus de chemin et de cette sortie un peu de cette hypnose collective, sans trop parler de où ça amène le monde. Mais on a la chance de cette sortie de cette hypnose et d'avoir un champ d'ouverture et de possibilité de nous connecter, de nous relier à quelque chose d'autre, comme au stellaire, au céleste et au champ de la conscience globale planétaire au travers de la Terre Diamant, qui est reconnue par le 47e jury de l'exposition internationale des inventions de Genève, et qui fait qu'aujourd'hui, en l'espace de 5 ans, nous en avons diffusé plus de 6500 dans 51 pays. Parce que c'est une victoire dans le sens que partout où vous posez une terre diamant, vous développez un champ de radiation de paix, d'harmonie et d'éveil de conscience. Donc, je vais vous prendre un temps. J'ai combien de temps, Jean-Michel, parce qu'on parle comme ça et je n'ai pas le son. Arrive. Voilà. Donc, ça fait presque une heure déjà. Donc, on fait des émissions d'une heure et quart, 12 minutes à peu près. Après, je vais faire quelques annonces parce qu'on ne fait pas un gros truc. D'accord. Donc je vais compresser alors. Voilà. Je vais compresser. Je vais vous donner un maximum d'informations en peu de temps sur les terres diamants. Voilà. D'accord. Donc, en fait, il y a 3 diamètres. Il y a la baby, la moyenne et la grande. Je vais vous parler de la meilleure, à mon avis, c'est la grande. Elle fait 10 cm de diamètre. Voilà, si je mets ça, vous voyez plus derrière. Parce que ma main, elle n'est pas blanche. Vous voyez plus. Donc, elle a un champ de radiation de 140 mètres. 140 mètres, si vous voulez, ça fait presque un stade et demi de foot. Donc, si vous, de chaque côté, donc ça fait 280 mètres de diamètre.
C'est juste énorme. C'est comme un phare spirituel. Et où vous posez une terre diamant, vous développez un champ, un rayonnement d'harmonie et elle condense et concentre l'énergie du rayon diamant qui est le rayon de la source du grand soleil central. Le champ, la plus haute fréquence de l'univers. Cette émanation, cette onde de forme que génère la Terre diamant diffuse 915 fois le nombre d'or. Vous êtes fait, tout le monde est fait au nombre d'or. D'accord ? Si vous diffusez la longueur du bras par l'avant-bras, l'avant-bras par la main, et là, 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 ou ici, vous avez la spirale de Fibonacci, nous sommes faits au nombre d'or, jusqu'à la longueur de la protéine d'ADN par son diamètre. Donc ici, nous avons une concentration de 915 fois le nombre d'or, étant donné que par effet de résonance, l'effet de résonance en musique, si je fais un mi sur un piano, toutes les cordes de mi vont vibrer, en fait. Si je suis fait au nombre d'or et que je me cale à côté d'une terre diamant et tout ce qui est aux alentours de la terre diamant, va rentrer en résonance et se recalibrer dans la fréquence originelle de notre perfection intérieure et divine. Donc, il y a la grande terre diamant qui rayonne à 140 mètres, il y a la moyenne qui fait 8 cm, un peu plus petit, qui a un rayonnement de 80 mètres, et il y a la baby, que j'affectionne particulièrement, mais qui est un modèle individuel. Et là, voilà, elle est dans une petite pochette. On peut éventuellement la mettre comme ça sur la sortir du sac, mais c'est vraiment un modèle individuel que vous pouvez prendre dans votre poche, amener dans le métro, dans le travail, au bureau, quand vous sortez, que vous pouvez même mettre dans la tête d'oreiller pour mieux dormir et pour vous assurer une protection spirituelle au moins tout autour de vous. Mais c'est vraiment un modèle individuel que l'on ne prête pas. Je voudrais préciser aussi quelque chose, c'est la base lumineuse. Ici, la Terre diamant est posée sur une base lumineuse. Et vous ne voyez pas trop parce qu'il y a beaucoup d'éclairage dans le studio vidéo là, mais il y a c'est les meilleures bases lumineuses parce qu'elles n'existaient pas. Alors, je les ai créées. Donc, elles ont 13 programmes de lumière. Il y a des changements automatiques et il y a le blanc, le magenta, le bleu, le violet, le bleu, le cyan, le vert, le jaune, le rouge et d'autres couleurs et notamment celui-là qui est le magenta, le cyan, le magenta et le jaune qui est la prospérité, l'équilibre dans la prospérité, l'équilibre dans le changement. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important, c'est la triple flamme sacrée de Dieu. Alors, vous pourrez trouver les terres diamants sur le site internet diamondlight.eu et je voudrais faire part d'un petit cadeau parce que vous êtes avec Jean-Michel, parce que vous suivez les informations de Jean-Michel. Donc, vous pouvez accéder au Terre Diamant avec le... Est-ce que tu peux le mettre, s'afficher peut-être? Est-ce que c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous, quand vous allez sur la boutique internet, vous tapez, vous faites votre panier, là, vous en achetez 48 comme ça, 72 comme ça, et vous en envoyez partout dans le monde, vous les déposez dans les rivières, dans les lacs, vous en envoyez par-dessus le grillage de l'Élysée. Ah, pardon. On va perdre la boule bientôt. Hein. Voilà. Moi, j'en ai planqué une dans le bâtiment des Nations Unies. Ça va leur faire du bien. De toute façon, c'est un bâtiment pour la paix. Donc, JMR5PCT vous donne accès à 5% de réduction sur le site internet. D'accord ? Mais vous avez d'autres bonus. Donc, l'autre bonus, c'est quand vous achetez une terre diamant, en fait, je répète, JMR
5PCT. Est-ce que tu peux enlever le code? Parce que cette vidéo, je vais l'utiliser aussi, mais je ne vais pas la mettre le code pour tout le monde. Là, c'est que pour les gens qui vont venir sur ta chaîne, via ta chaîne. Parce que ce que je vous ai dit sur la conscience collective et la conscience individuelle, c'est quand même quelque chose de très beau et de très intéressant. Et je veux bien utiliser cette vidéo aussi. Donc, les autres bonus que vous avez quand vous accédez au Terre Diamant, c'est premièrement, vous avez accès à un groupe de conscience, d'éveil de conscience et de bienveillance. C'est Diamond Light Community. C'est un groupe Facebook. Et il est réservé uniquement aux gardiens des Terres Diamants. Parce que lorsque l'on accède à une Terre Diamant, on devient un gardien de la Terre Diamant. C'est pas vraiment le propriétaire. Mais combien de grâces et de bénédictions cela nous assure de protection, de guidance, d'élévation de conscience, et que ça transforme notre vie. Et d'ailleurs, sur diamondlight.eu, vous avez une page de témoignages. Il y a une centaine de témoignages. On a arrêté d'en mettre à partir de 100 parce que bon, là, ça va quoi. Il y a assez de preuves, si on peut dire que c'est des preuves. Le deuxième bonus, c'est que pour chaque personne qui accède à une Terre Diamant, en fait, quand vous recevez votre mail avec la facture, etc., vous recevez un lien vers une page cachée du site Internet pour avoir accès à des protocoles de méditation enregistrés en vidéo pour optimiser l'intégration de la fréquence diamant à l'intérieur de vous. Et je peux vous dire que vous pouvez travailler et méditer, œuvrer avec la Terre Diamant pendant au moins 1 ou 2 ans, parce que c'est absolument colossal tout ce qu'elle vous amène. C'est colossal. C'est juste, c'est pas pareil. C'est comme il y a le monde d'en bas et un monde d'ouverture où plein de choses sont possibles. Mais pour ça, il faut savoir y accéder et la Terre Diamant vous y accède. C'est comme, vous savez, le coureur qui va, il court et puis il va faire 3 sauts avant de pouvoir sauter. Trois grandes enjambées avant de pouvoir sauter. Le triple saut, vous voyez, c'est ça. Mais en fait, c'est les 3 sauts là. Parce qu'après, c'est l'envol. C'est comme une fusée aérienne, un GPS pour aller plus vite, tout droit où vous devez aller accomplir votre mission d'incarnation. Le troisième bonus, qui n'est pas vraiment un bonus parce que c'est quand même accessible à tout le monde, peut-être que tu peux le mettre en dessous. Je te le mets dans le chat privé, le lien. CTRL-C, tac, tac. Hop là. C'est pour chaque pleine lune, j'anime une méditation particulière pour... Je ne l'ai pas reçu. Hein. Le voilà. Ah, ça y est, d'accord. Donc, sur ce lien-là, de toute façon, sur Diamond Light, vous allez sur le .eu, vous allez sur les rendez-vous et vous allez cliquer pour pouvoir vous inscrire à une méditation de pleine lune. Et là, la méditation sera lundi prochain, qui est une pleine lune particulière, puisque là, c'est la pleine lune du Vesak, avec la bénédiction du Bouddha cosmique qui descend sur la Terre. C'est vraiment une méditation, une pleine lune particulière, et c'est une méditation pour créer et rayonner l'avenir. En fait, nous sommes des êtres puissants, radiants, nous sommes des étincelles de lumière, des filiations stellaires sur la Terre. Mais nous devons en avoir conscience. Et nous, si nous en avons conscience, nous rentrons dans notre plein potentiel. Et nous devenons des serviteurs de lumière conscients et volontaires. Je répète, nous devenons des serviteurs de lumière conscients et volontaires, comme Jean-Michel l'est. Et plus la hiérarchie de lumière peut compter sur nous, plus on sera traversé de courants d'énergie, de connaissances, de conscience puissante pour réveiller ce monde-là, pour faire de ce monde-là un monde merveilleux de joie, d'amour et d'harmonie. Alors,
tous les mois, je donne un rendez-vous, de préférence le jour de la pleine lune. Et là, c'est le jour de la pleine lune pour que nous puissions nous retrouver ensemble, pour que nous puissions activer toutes les terres diamants qui sont tout autour de la Terre et recevoir et rayonner la grâce de l'esprit, la grâce du rayon des diamants pour bon sang, plus on est nombreux, plus ça rayonne. Et dans l'effet des 100 singes, ben bon, même tous ceux qui sont endormis vont se réveiller et puis on va enfin sortir de cette hypnose collective et créer un monde d'amour, d'harmonie, de joie et de paix. Et c'est tout ce qu'il y avait marqué sur ton générique. Merci Jean-Michel. Donc, je rappelle, vous avez trois bonus. Le premier, c'est l'accès à Diamond Light Community. Le deuxième, c'est les protocoles de méditation en vidéo. Le troisième, c'est l'accès à cette méditation de pleine lune une fois par mois. Et le quatrième, c'est le code promotionnel que vous avez un petit peu avant dans les vidéos. Voilà. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour tout le chemin de conscience que vous avez déjà accompli, pour tout le chemin de conscience qui vous permet d'être intéressé par cette vidéo-là, par tous les travaux de Jean-Michel. Et je ne sais pas, parce que là, on va partir à l'international pour aller faire des services planétaires ailleurs, mais il me semble, Jean-Michel, que tu vas faire un séminaire en Bretagne. C'est du 7 au 11 juin, c'est ça? C'est ça. Donc, je vais le montrer. Comment ça, ce sera plus facile. Ah, d'accord. Ok. Je vais le montrer directement. Pour cela, alors, je pense que c'est on y est. Là, je vérifie bien. En fait, à confirmer, mais peut-être qu'à ce séminaire-là, je vais faire un aller-retour. Je rentrerai spécialement en France pour venir à ton séminaire. Ensuite, je repartirai à l'étranger parce que c'est important pour moi d'être à ce séminaire alors que vous allez parcourir la Bretagne. Voilà. Donc, sur le site www.isa-vision.com, hein, donc je le mettrai tout à l'heure au truc. Eh bien, on voit ici, sur la page d'accueil, il y a tout le programme. Sur la page d'accueil de Isavision, isa-vision.com, vous avez tout le programme mois par mois. Et si vous allez au mois de juin, vous obtenez le voyage qui se fait en Bretagne, les mystères de la Bretagne vibratoire et des cités stellaires, du mardi 7 juin au dimanche 12 juin 2022. Vous avez tout le descriptif et la possibilité de vous inscrire. Il n'y a qu'à suivre les instructions qui sont ici. Voilà, donc c'est ça dont vous parle Jérôme. Voilà. Vraiment, un grand merci à votre chemin de conscience et à toute notre solidarité de cœur pour que nous mobilisions, pour que nous modifions la trajectoire de notre humanité pour un éveil de conscience, une paix et la lumière sur la Terre. Je vous remercie infiniment. Je vous invite encore à regarder, à visiter le site internet Diamond Light Community. J'ai une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Il y a bien sûr une page Facebook et vous pouvez vous inscrire via le formulaire de contact sur Diamond Light Community pour suivre les informations et les activités que l'on va faire. Bien sûr, super, bravo. Voilà, je t'en prie. Bravo, merci. Bravo. Super, super présentation sur cet inconscient collectif, sur les technologies de lumière, l'ingénierie spirituelle qui est offerte pour amplifier ces champs, pour participer consciemment à l'aventure du monde qui est en train d'accélérer, tout le monde voit bien. Donc, on peut dire qu'il ne faut pas trop tarder maintenant parce que les choses vont de plus en plus vite. On peut dire que le train commence à prendre de la vitesse et après, bon, quand le train prend de la vitesse, c'est difficile à monter à bord quand on court sur le quai. Donc, n'attendez pas que le train soit parti parce qu'une fois qu'il sera parti, ben, c'est fini. Alors, voilà. Donc, merci Jérôme pour ton service. C'est excellent. Il t'accompagne aussi, qui t'accompagne, ce qu'il y a de dire. Oui. Donc, vous résidez en Bretagne. Eh bien, c'est avec plaisir si vous êtes là. Bien sûr qu'on vous accueillera durant ce voyage initiatique qui va s'occuper d'activer des cités stellaires. Il y aura la cité 10, il y aura des cartes, il y aura des exercices qui seront proposés, comme dans chaque voyage, avec
tout service à faire avec des stellaires. On évitera des stellaires aussi. Et donc, je pense qu'ils seront au rendez-vous maintenant, comme d'habitude, nous faisons cela. Alors, pour finir, je vais vous parler de deux, trois autres, quelques annonces. Donc, vous avez ici l'adresse du site isavision.com qui vous permet de trouver les programmes. Mais je vais, je crois que tout à l'heure, je n'ai pas partagé parce que moi, c'est ma spécialité. Des fois, j'oublie de partager. Alors, donc ici, je crois que je vais vous montrer le site directement. Donc, il est là. Vous avez vu l'adresse. Voilà, le site Isavision. Et sur la page d'accueil, ben, vous avez, comme je disais tout à l'heure, mais je crois que vous ne l'avez pas vu. Donc, mois par mois, le programme. Donc, voilà. Donc, et voilà, pour vous montrer le voyage, il est là, hein, au mois de juin. Du 7 au 12 juin, voilà, il est là, voyage initiatique, il n'y a qu'à lire, il y a tout est écrit, et vous pouvez en bas ben, suivre les protocoles pour, n'attardez pas trop non plus au dernier moment, hein, parce que la Bretagne, c'est quand même visité au mois de juin, il faut trouver à se loger, tout ça, c'est pas évident, donc il ne faut pas tarder. Les deux autres annonces que je vais faire, c'est que… Je peux faire une observation. Ah, oui, vas-y. Pour les personnes qui ne connaissent pas ces voyages initiatiques que tu proposes, ou c'est des voyages d'activation. De mon point de vue, c'est juste du pur bonheur. On va se balader sur des sites sacrés en mode vacances. C'est très accessible. Jean-Michel est une source de connaissances absolument incroyable, avec une humilité. Il est très accessible. Et du coup, on est un peu en mode vacances, on visite des lieux sacrés, on a plein d'informations, et c'est pour ça que même je risque de revenir de l'étranger pour assister à ce truc-là, à ce stage-là, pour avoir accès à ces informations. Et en plus, non seulement on visite des sites sacrés, on a les informations, mais on fait des activations des lieux. Waouh, c'est juste génial. Moi, j'adore. Voilà, c'est notre service qu'on fait, d'autres, comme toi qui font d'autres choses fantastiques aussi. Mais quand tout le monde amène un petit peu sa truc, humblement, eh bien, le monde se porte bien, se porte mieux. Et là, on rappelez-vous qu'on aborde une crise, une période de crise extrême. Et c'est le moment, hein, c'est le pic de la crise que nous. Oh, c'est clair, on y va. Donc, toutes les bonnes pensées, tout ça, peuvent calmer tout ça. Vous évitez que ça dérape, vous évitez qu'on aille dans les extrêmes. Et tout le monde avait des bonnes pensées, comme tu fais sur le champ collectif. Et bien, on va apaiser ce monde qui est en train de penser à la guerre, de penser à plein de choses pas très, très positives. Et bien, nous, avec l'inconscient collectif, et bien, quand je dis nous, ben c'est le monde, hein, nous pouvons pacifier tout ça grâce à tes technologies, grâce à d'autres technologies, grâce à des procédures, grâce à aller sur des sites, grâce à des méditations. C'est le moment. Il faut mettre le paquet avant que ça dérape. Yes. Une fois que ça dérape, après, c'est plus difficile quand même. Hein. On est clair. C'est clair. Voilà. Alors, donc, je reprends la fin du truc pour finaliser ça. Hein, voilà. Donc ici, je fais mes deux autres annonces que j'avais prévues. Toujours sur le site, bien le dimanche, donc là c'est passé, il faut que je... Voilà, mais ce dimanche, ce samedi 14 et dimanche 15 mai, pour ceux qui seraient dans la région, bien, je fais un séminaire résidentiel, j'en fais moins maintenant, mais c'est-à-dire en présentiel à Roquebrune-sur-Argent, qui se trouve près de Fréjus, dans le Var, donc Roquebrune-sur-Argent, et on va parler du futur lumineux de l'humanité et l'avenir de la conscience, et aussi surtout de l'histoire secrète de l'humanité, pour savoir pourquoi on est arrivé là. Qu'est-ce qui fait que tout ce qu'on nous a caché, comment on est arrivé à cette situation et comment on va prévoir l'avenir par rapport à ça. Et vous verrez qu'il y a des solutions pour ceux qui seront présents. Donc, vous avez ici toutes les possibilités de vous inscrire si vous le désirez. Et quelque chose que j'ai rajouté, le 26 mai, le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, il y a une sortie prévue, justement, sur un site sacré pour travailler sur l'énergie de l'Ascension. Et j'apporterai ma boule de cristal que j'ai, on travaillera avec, à un endroit qui s'appelle Notre-Dame du Glaive, qui est splendide, et à Cabas, dans le 83, près du village à Cabas, du village de Cabas 83, Notre-Dame du Glaive. On fera un contact avec les Pléiadiens, grâce à M. Raymond Spinozzi qui nous donne l'information. Et le rendez-vous est entre 10h et 10h30 devant la mairie du village de Cabas, dans le 83, vous voyez, il y a qu'à lire, tout est là. Vous avez même un lien Google Maps pour savoir où c'est. Voilà, donc je vous parle de ça. Après, vous pouvez regarder tout le reste, le programme est toujours là, mais je ne vais pas en faire trop. Donc, je vous donne ces informations pour montrer qu'il y a aussi, eh bien, du pratique. Hein, il faut y aller au maximum. Et même si vous ne pouvez pas venir en Provence, pensez que le jeudi 26 mai, c'est le jour de l'Ascension. On est à un grand...
impact sur l'inconscient collectif dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est le jour de la victoire, c'est où le Christ, enfin, dans l'histoire, le Christ Jésus, eh bien, il vainc la mort, hein, il dépasse la mort, qu'on croit, qu'on ne croit pas. Prenons cette histoire, eh bien, c'est le jour de la renaissance. Eh bien, ce jour-là, faites-vous le cadeau, pensez à l'humanité avec des belles pensées, où que vous soyez, soyez en famille ou pas en famille, ayez 5 minutes pour pouvoir, et ceux qui ont la boule de cristal, ben, connectez-vous à votre boule ce jour-là, faisons un réseau pour que ce soit vraiment... Il y a la force de cet égrégore de conscience collective exactement ce jour-là. Ah oui, ce jour-là. Oui. C'est le jour de l'année, celui-là. La grille, celui-là, elle est aussi appelée la grille d'ascension. C'est en cinquième dimension, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de séparation, c'est l'unité. C'est accompli. Donc là, il y a un portail, en quelque sorte, un Stargate pour pouvoir infuser sur la Terre. L'histoire, ce n'est pas de monter, d'ascensionner. L'histoire, c'est nous, ici sur la Terre, en termes d'être spirituel ouvert, à la rigueur, ouvrez à fond votre corona, si je peux m'exprimer comme ça, votre chakra couronne, et ancrez profondément dans la Terre et dans notre humanité, dans vos cellules, dans votre ADN, toute cette puissance d'amour, d'unité, de fraternité, de bienveillance, et exprimée par des actes concrets, la compassion. Alors, je vais te dire quelque chose, Jérôme. Yeah. Il y a peu de gens qui le sauront, parce que malheureusement, on ne peut pas diffuser, on fait tout ce qu'on peut, mais bon, on n'a pas des millions de personnes qui le regardent. Mais ce jour-là, c'est en train de se monter une troisième opération, parce qu'on a déjà eu deux, avec des vaisseaux qui sont venus. On a créé des opérations sur la France. Il y avait entre 100 et 150 personnes qui ont été impliquées. Et on a convoqué des vaisseaux. Ils sont venus. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps où on a montré des photos des vaisseaux qui sont arrivés. On a fait une émission, hier. Pour te dire, elle est sur la chaîne, l'Alliance, la chaîne sur. Pour la trouver, si vous voulez, c'est la chaîne Alliance Céleste France, chaîne YouTube Alliance Céleste France. Et vous trouverez la vidéo qui s'appelle un rapport du 17 avril, le jour de Pâques. Eh bien, le 26 mai, la troisième opération nationale sur la France avec des technologies de lumière seront faites. On va donner des rendez-vous des célestes. Donc, où que vous soyez, ce jour-là, vous savez qu'il y a au moins plus d'une centaine de personnes qui vont œuvrer, et sûrement avec Jérôme aussi, je suis sûr qu'ils vont faire tout ça, à leur façon, et c'est bien, parce que c'est le moment. Donc, vous pouvez vous joindre à la pensée avec ça. C'est ce qu'on appelle la communauté de l'anneau de lumière. C'est un peu comme Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Eh bien, on travaille sur une structure qui englobe la France pour réveiller la France. Bien sûr, on a besoin d'être réveillé vraiment, mais aussi le monde. Et donc, ce jour-là, profitons de ce travail sur l'inconscient collectif, où que vous soyez, ayez une pensée, dites-vous qu'il y a des gens qui sont mobilisés entièrement pour mener cette troisième opération, où je suis sûr qu'il y aura de nouveau des célestes, et on fera des photos, et on fera encore un compte rendu pour vous expliquer comment ça a marché. Voilà. Ouais, super. Merci vraiment. Merci pour tout le service que tu offres. Hein. C'est une équipe. Moi, je suis fait partie d'équipe. Attention, hein, je suis comme les autres. Mais je remercie à tous ceux qui font, parce que c'est énormément de travail de monter ces opérations nationales, si tu veux. Mais les deux ont été un succès total, avec des preuves, bien sûr. Hein, c'est pas un truc à l'air. On a fait deux émissions, on a fait des comptes rendus. Les gens, on peut voir les vaisseaux, on peut voir les photos. Vous pouvez voir les gens qui ont vécu des expériences, comment ça pendant ce jour-là, et qui ont tous travaillé sur cet anneau. Eh bien, je vous le redis, le 26 mai, la troisième opération sur l'anneau de lumière de la France. Et va être lancé. Donc, regardez bien, les choses vont peut-être se passer. Waouh. Merci Jean-Michel. Merci à toi, Jérôme, pour tout ce que tu fais aussi, ton grand service, parce que je sais que tu fais beaucoup de déplacements, tu te déplaces beaucoup en Inde, partout. Ça n'a pas été facile non plus cette année avec le Covid. Quand on a une entreprise, ce n'est pas toujours évident de pouvoir faire tout ça. Eh bien, merci pour ce service, parce que grâce à tout ça, on va de l'avant et il ne faut pas se décourager. C'est presque fini. On arrive au paroxysme de la crise, mais dites-vous qu'on peut, on n'est pas obligé de la subir. On peut modifier les choses. On l'a dit, Jérôme, agissez sur l'inconscient collectif, envoyez le maximum de lumière, de paix, ne perdez pas confiance. Les choses vont s'arranger, mais on peut encore mieux faire. Voilà, au lieu d'attendre de voir, comme on dit, wait and see, eh bien, n'attendez pas, agissez sur la lumière, avec la lumière le plus possible, avec les technologies, et vous verrez que ça peut alléger le processus. Et la personne la plus importante au monde, c'est vous. Ah oui. Il n'y a personne d'autre de plus important au monde. Et donc, ça nécessite que tous les jours, vous vous occupiez de vous en priorité.
Et c'est au travers de ce take care, de prendre soin de soi, que vous pourrez, ça va déborder, arriver un moment, ça déborde. Et là, ça se répand vraiment dans le monde. Parce que c'est pas une, vous êtes plus une coquille vide quand vous prenez soin de vous tous les jours. Et puis, vous savez, quand ça va moins bien, parce que, on est tous soumis au même monde, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Eh bien là, prenez plus soin de vous encore. Et si, pour moi, prendre soin de moi, ça veut dire pratiquer. Aujourd'hui, ça fait environ 36 ans que je pratique tous les jours et ma pratique a changé. Et aujourd'hui, c'est une pratique environ de 45 minutes par jour. Ce n'est pas énorme parce qu'il y en a qui vont faire 2 heures ou 3 heures par jour. Moi, je prends 45 minutes tout de suite après le petit-déj. Et ça devrait être même avant le petit-déj. Mais bon, je suis gourmand. Et par rapport à toute cette situation mondiale, nous nous préparons. Personnellement, nous nous préparons, nous œuvrons le maximum, nous diffusons justement là dans la suite de l'été, on va faire une escapade, on va dire, dans les pays du Nord, Suède, Norvège, Danemark, pour ouvrir des réseaux de distribution parce que nous voulons contacter des personnes qui veulent distribuer carrément les terres. On ne peut pas être partout à la fois. Donc, OK, il y en a et on va en… que ça puisse se répandre, participer à une spirale vertueuse d'ascension et de lumière. Et nous préparons, nous, ici en Bretagne, une base de lumière, un point à partir duquel on pourra rayonner. Et il me semble que les accords ont été donnés, mais elle va s'appeler les Orionides. Un beau programme. C'est un petit scoop, ça. Ah ben, bravo. Ah, ouais. Un petit scoop qui amènera une soucoupe, peut-être. Ouais, une grande soucoupe, ouais. Ou des soucoupes. Merci bon. Encore. Merci Jérôme, merci à tous de votre confiance, de votre force, de votre puissance. On vous dit que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Longue vie et prospérité à chacun. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. On va finir avec une petite vidéo de collaboration. Pour finir en musique. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Bonjour, que la paix de Vega vous accompagne. Bienvenue dans l'ONG Alliance Céleste Internationale France. En collaboration avec des entités célestes bienveillantes, nous vous proposons un module en live sur la médiation et la communication extraterrestre, en vue d'une future alliance.